reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai découvert un truc étonnant et j'aimerais vous montrer ça. Regardez l'écran, regardez l'écran. Ce que vous voyez ici, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Ouais. On voit ici que des stars et des stars de la musique. Là, nous avons Cardi B. Et quand on voit son visage, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas à elle? Pourquoi est-ce qu'elle est comme dans cet état? Et ici, on voit tout simplement une star de la musique qui est connue sous le nom de Davido, qui est invitée à l'anniversaire de sa fille. Mais vous serez surpris par sa réaction tout à l'heure. Et c'est là que je vais en venir. C'est prêt. Vous pouvez le voir, c'est le show, tout le monde danse. Et regardez, sa fille serait maintenant prête à danser ce que vous appelez généralement le twerk. Regardez comment elle est déjà positionnée. Et pendant qu'elle sera en train de danser sur le mur, voici son père qui va courir et venir tout de suite la calmer. Juste l'arrêter. Est-ce que vous voyez un peu? Juste la châtier un peu. Vous dites non, 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 ne le fais pas parce que ce n'est pas une bonne affaire. Regardez. Regardez très bien. Vous avez vu ça? Regardez encore. Waouh! Quand les gens ont vu ça, tout de suite, ils ont réagi et ils se sont dit, mais waouh, quel est le problème avec lui? Parce que il a chanté une chanson qui avait pour titre twerk avec quelqu'un, il a fait un feature avec quelqu'un. Maintenant, voici que sa propre fille même est en train de danser comme ça et il en empêche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est étonnant? Pourquoi ça se passe ici? Si c'était arrivé la première fois, vous direz que c'est de la blague, mais attendez, je vais vous montrer encore une autre chose, vous allez voir tout de suite. Là, nous allons aller directement aux États-Unis avec Cardi B. Regardez, il faut montrer très bien ça. Regardez, hein. Elle est en train de faire live, écouter sa musique, tranquillement faire la promotion de sa nouvelle musique qui s'appelait WAP. Quand sa fille est arrivée, dès qu'elle a vu sa fille, regardez dans quel état elle s'est mise. Elle dit non. Tout de suite, elle a coupé le son. Regardez. Elle a fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous voyez un peu? Et elle demande ce qu'on retire les enfants. Elle veut que les enfants puissent. Elle veut que les enfants partent pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a dit de continuer à faire ce qu'elle a dit de faire. Vous avez vu ça? Regardez très très bien. Quel est le point commun entre les deux stars? Regardez très bien. Vous avez dit quel est le point commun entre les deux stars? Quel est le point commun entre les deux stars que nous venons de voir? Quel est le point commun? Je vous montre encore la première vidéo. Regardez très bien ici. Les deux points communs, c'est clair. Il y a la présence de qui? D'un enfant. Vous voyez? Un enfant. Et cet enfant est en train d'imiter ce que ça se fait leurs parents. Vous voyez? Ce que les parents font là. Est-ce que les enfants là sont en train d'imiter? Dans le cas de David ici, l'enfant a déjà vu ce que son père fait et ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux et comment les gens dansent dans les clips. Et pas un peu partout. Dans le cas de Cardi B, elle ne veut même pas que sa fille rentre en contact avec tout ça. Déjà, elle commence par l'empêcher d'écouter sa musique. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez le message? Ou vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Attendez, je vais vous remonter ça encore et le voir. Je vous dis, je dis bien, dans le cas de Davido là, dans le cas de Davido, lui, il est face à sa fille. Et sa fille est en train de danser ce que lui, il a l'habitude de danser. Vous voyez? C'est que les gens ont l'habitude de faire à la télévision, dans les clips, un peu partout, ou encore ce que la fille a l'habitude de voir. Elle est en train de faire la même chose. Et lui, son père, tout de suite, il arrête. Pour lui dire non, c'est pas une bonne chose à faire, ma fille.
Il faut juste voir. Mais ne reprends pas ça, ne reprends pas ça. Hein? Et il s'est en train de tourner chez les réseaux sociaux. Il se pose la question, mais ah! Quel est son problème? Donc lui, il nous fait danser le truc. Et il veut pas que sa fille danse le truc. Quand ça s'est passé avec Cardi B aussi, les gens commencent à dire, mais ah! Comment est-ce que elle nous fait danser sur son son et elle nous fait danser comme des pépiteurs? Alors qu'elle veut même pas que sa fille puisse écouter sa musique. Elle dit non, non, non. Elle dit non, non. Combien de fois est-ce qu'elle a dit non? Attendez, vous allez écouter. Écoutez de vous-même, écoutez. Elle dit non, 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 non. Elle a arrêté la musique. De quoi parlait sa musique? Qu'est-ce qui se passe dans les clips? Et qui amène même certains stades de la musique à ne pas permettre que les enfants puissent faire comme elle. Il y a quelques années, j'avais entendu un témoignage. Un témoignage d'une soeur qui disait que elle a entendu une star du cinéma, c'est-à-dire une personne qui fait des films. Vous voyez les films comme vous avez l'habitude de voir à Hollywood. Et ils ont posé la question à cette star-là. On leur a dit, mais est-ce que tu permets à tes enfants de regarder tes films? Et si oui, comment est-ce qu'ils réagissent? Quand on leur a posé la question, hein, cette star des films d'Hollywood a carrément dit qu'elle ne permet pas à ses enfants de regarder ses films et que elle-même elle ne regarde pas ses films. Les gens étaient étonnés, les gens étaient vraiment dépassés. Tu produis des films, tout le monde doit regarder ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne permets pas à toi et tes propres enfants de regarder? C'est le cas de Davido, comme ce que vous avez vu. Le monsieur là, il a vu son enfant danser le twerk. En fait, son enfant même a commencé même à danser le twerk. Elle n'a même pas même dit B. Déjà, il a sauté sur le tas. Comme vous pouvez le voir ici. Regardez. Directement, il a sauté en même temps. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, les mamans, les papas? Expliquez-moi. Expliquez-moi ici. Expliquez-moi, nous sommes famille, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Ça a été son premier réflexe. Son premier réflexe a été de faire quoi? De venir arrêter le mouvement. Regardez très bien. Arrêter le mouvement tout de suite. Doum. Juste tape, donner une petite tape pour lui dire, arrête ma fille. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Quand on posait la question à Cardi B, elle a dit, quand ils ont posé la question à Cardi B de savoir, mais pourquoi est-ce que tu ne permets pas à ta fille d'écouter ta musique? Pourquoi est-ce que tu as coupé la musique en live? Parce que les gens ont commencé à bavarder. Elle a répondu, elle a dit que sa musique est pour les adultes. Et les gens qui ont plus de 18 ans. Vous voyez, les gens qui ont plus de 18 ans, 21 ans, pour les hommes. Vous voyez? Donc elle ne peut pas permettre à sa fille d'écouter ça. Elle ne veut même pas que cette musique entre dans l'oreille de sa fille. Hey! Est-ce que vous vous rendez compte? Et ces gens-là, ce sont des stars de la musique. Ils font de la musique. Ils sont devenus milliardaires par la musique. Donc, ils sont mieux placés pour nous dire quels sont les effets de la musique sur les gens et ce que la musique peut apporter aux gens. Oui. Et ces gens-là peuvent bien vous expliquer ce que signifie le twerk, ce que signifie toutes ces danses que vous voyez et tout ça. Ces gens-là sont bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire et ce dans quoi ils sont. C'est un chemin qu'ils ont choisi pour se faire de la thune. Et c'est leur choix, c'est leur vie. Mais ces jeunes-là refusent que leurs enfants suivent le même chemin. Ils préfèrent que les enfants se concentrent sur les études. Ils préfèrent que les enfants se concentrent vraiment sur ce qui est important dans la vie. Et ça me rappelle encore une émission que j'avais vue. Une émission qui s'est déroulée aux États-Unis. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu
J'ai vu Nicki Minaj. Il y avait deux filles, des petites filles. Elles étaient arrivées, elles ont commencé à dire, oh, on est fan de toi, Nicki Minaj. On t'aime, on veut faire comme toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoutez, allez à l'école. Mon métier a été étonné. Elle dit, écoutez les filles, venez dans mes bras. Elle a pris les deux de ses bras. Elle a dit, écoutez, si vous m'aimez bien, allez à l'école. Suivez vos études. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire que ces stars veulent une très bonne éducation pour leurs enfants. Et ça commence déjà par ça. Ce qu'on écoute, ce qu'on voit à la télévision et toutes ces choses. À ne pas faire chez vous, à ne pas faire chez vous. Même quand vous regardez le catch, on écrit que toutes les personnes que vous allez voir ici sont des professionnels. Il ne faut pas faire comme elles. Ne faites pas ça chez vous. Qui a déjà regardé le catch ici? N'est-ce pas ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez à la télévision là, n'est plus fait pour vous éduquer, pour vous amener loin de la vie. Ça, je vous l'ai dit. Et il faut que les parents soient là pour vous instruire sur ça. Et Dieu permet que de telles choses arrivent souvent afin d'ouvrir les yeux des gens. Parce que nos enfants sont en danger. Quand les clips, les nouveaux clips sortent, avec toutes ces choses bizarres qu'on a l'habitude de voir à l'intérieur, vraiment, je vous le dis directement, les premiers consommateurs, ce sont les enfants. Ce sont les plus jeunes. Ouais. Et là, les parents doivent être très, 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 très prudents. Très, 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 très vigilants, comme Davido. Juste ici, juste comme ça. Regardez bien. On va prendre son exemple aujourd'hui là. Regardez bien. Il doit être, les parents doivent être très vigilants. Très vigilants sur ce que les enfants regardent. Les parents doivent vraiment, vraiment, vraiment faire très attention. Très, très, très attention. Voilà. Voilà, les parents doivent réagir rapidement au moment où il faut pour bien instruire les enfants. Et regardez maintenant la fille. Elle regarde son père. Elle a la joie, elle a la joie, elle est contente de voir son papa. Et elle comprend que ce que son papa est en train de lui dire, c'est vrai. Et elle est prête à suivre cela dans la joie. Pas la bagarre. Regardez, elle vient son père. Un père aimant sa fille. Dis, ma fille, je t'aime. Mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose à faire. Je suis ton père, écoute-moi. Hey! Alors, vous voyez ça? Il y a beaucoup de leçons à apprendre de cette histoire. Avoir un enfant, c'est facile. C'est très facile. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à faire des enfants. Mais quand il s'agit d'éduquer les enfants, là, vraiment, c'est une autre histoire. Surtout dans ces derniers temps où nous sommes. Et moi-même, je suis là souvent et je regarde la situation et je me dis, mais vraiment, avant que mon premier enfant devienne au monde, il faut que je réunisse toutes les conditions, quoi. Parce que ce monde est vraiment corrompu. Ce monde est vraiment bizarre. Tout le monde court après les milliards. Et les gens sont prêts à tout pour ça. Même s'il faut détruire nos valeurs morales, même s'il ne faut plus respecter quelque chose. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand une personne décide d'être contre le norme de la société, contre la justice, tout le monde applaudit cette personne. Quand une personne est contre la loi, même quand une personne parle mal de Dieu, mal de Jésus, tout le monde applaudit cette personne. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui que si vous voulez vraiment en faire plaisir au monde, vous risquez de vous rapprocher du diable. Parce qu'aujourd'hui, les désirs de la masse, les désirs de beaux des gens sont motivés par des démons. Ce sont les démons maintenant qui vous donnent des stimulus, c'est-à-dire qui vous poussent à aimer telle ou telle chose maintenant. Et vous attirent, ils vous ont conditionné, vous ont étudié, vous l'estimez, jusqu'à vous connaissent tellement qu'ils vous poussent maintenant à aimer telle ou telle chose. Vous voyez un peu? C'est exactement ce qui se passe.
Et cette situation-là amène souvent les stars de la musique à vous proposer ce que vous aimez. Genre, vous allez voir plus de filles en train de twerker dans les clips, plus de filles en train de faire des trucs. Maintenant, qu'ils me disent maintenant, qu'ils me disent, les filles qui twerkaient dans son clip-là, qu'est-ce qu'ils pensent d'elles? Il y a plein, il y avait, je viens de regarder, il est tombé dessus l'un de ses clips où il y avait eu plein de filles twerker dans ses clips. Si tu ne pouvais pas ta fille de twerker dans ses clips. Et les grandes filles qui se trouvaient maintenant dans ces clips, enfin déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien comme nous, nous sommes grands là, donc on peut faire les trucs, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on revient dans la Bible, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit? Le Seigneur Jésus-Christ nous a clairement dit que celui qui doit être au paradis, là, il doit être comme qui? Comme qui? Comme un enfant. Vous voyez non? Comme un enfant. À qui on lui dit, écoute, ça ce n'est pas une bonne chose à faire, arrête, ne le fais pas, et l'enfant suit avec joie. Avec joie. Du coup, nous sommes tous au même niveau, on dirait. Que vous soyez grand ou pas, il y a un enfant en vous. Hey! Dieu parle, vous devez obéir. Vraiment, la vie est compliquée. La vie est à compliquer. Avant d'avoir mon enfant sur cette terre, vraiment, mes frères, soyez prêts. Parce que vous avez du boulot. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, si vous abonnez à votre chaîne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous et soeurs pour tout. Que Dieu bénisse et. Je vais prendre la prochaine vidéo. C'est parti.